aujourd'hui, 27 mars 2021, l'artiste Jacques Villiglet fête ses 95 ans. C'est une occasion pour revenir sur le parcours exceptionnel de cet artiste qui n'est pas véritablement un peintre, mais un affichiste dont l'histoire commence au début des années 60 avec sa participation au groupe des Nouveaux Réalistes. Avec son ami et complice Raymond Hinz, à l'école des Beaux-Arts de Rennes, Jacques Villiglet entreprend ce parcours qui sera essentiellement marqué par les affiches lacérées qu'il développe jusqu'à aujourd'hui. Et si son actualité en galerie à Paris actuellement se trouve contrariée par les conditions sanitaires, on peut toujours écouter et voir le témoignage de Jacques Villiglet dans l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, dont je vous propose de regarder un extrait. L'idée a germé de faire un groupe. Là, donc le 27 octobre 1960, un an après la Biennale, il y a eu une réunion chez Yves où se trouvait en plus Daniel Spoerry, un ami de Tinguely, un Suisse roumain, Tinguely, et un jeune qui s'appelait Martial Reiss. Donc l'idée est partie comme ça, de ramasser les affiches. À cette époque-là, on n'avait pas du tout de renseignements sur Schwitters. Schwitters, c'était absolument inconnu en France. La première exposition date du début des années 50. Il fallait montrer que, en ne faisant rien, en ne faisant que ramasser, on pouvait avoir une multiplicité de formes. Et ainsi, on n'est pas prisonnier. C'est comme tous les jeux. Donc, j'accepte une règle du jeu, mais avec cette règle du jeu, je montre la liberté, que je suis aussi libre qu'un artiste devant la toile blanche.